Benvenuto a Meet and Match Digital Show di Linea Pelle Fair. Ciao, che piacere averti qui, Marc Oudibé. Ciao Orietta, come stai? Sto bene e sono molto contenta di averti con noi e di poter parlare con te, che ci puoi raccontare chi è Marc Oudibé. Chi è Marc Oudibé? È una lunga storia, perché come creatore di moda io ho creato tanti anni fa, 30 anni fa e di più, le mie collezioni con dei tessuti stretch in particolare, e poi ho avuto come designer, come creatore di moda, io ho lavorato per tanti marchi, soprattutto in Italia, perché io ho una passione per l'Italia, come tu lo sai. Come creatore di moda ho creato dei tessuti che... Io parlo in francese perché così è più facile per dire le cose. Qui rendono i vêtements non solo confortabili, ma qui aide a mettre la persona en valeur dans l'oubli du vêtement même par l'élégance des gestes qu'il permet d'avoir. Non seulement le confort, non seulement l'élasticité, non seulement la protection, mais un vêtement qui est beau, qui rend les gens beaux. J'aime beaucoup la phrase du philosophe Paul Audi, « Est éthique ». Voilà. Voilà. Marc, ci hai dato proprio dei insights molto importanti, per cui un materiale performante, un materiale stretch, ma anche un concetto etico. Quali sono i materiali che tu stai cercando oggi? Beh, sì, io devo dire sulla pelle in particolare, io vorrei ritrovare, perché mi piace, mi è sempre piaciuto la suede, che è un tessuto molto fragile e si potrebbe fare delle ricerche per renderlo più commerciale, perché il mercato ha sempre bisogno oggi di materiali, soprattutto in pelle, per le borse e tutte queste cose che sono resistenti. Dunque, io adoro j'aime beaucoup le côté mat du velours, du daim. J'aime beaucoup et je trouve que c'est, après toutes ces années de cuir verni, de choses, je trouve l'opacité du daim absolument superbe. Per cui sei alla ricerca di un materiale vero, in questo caso opaco, però il tuo renderlo commerciale e anche il fatto magari di accoppiare. E perché sai che il più grande mercato della moda è l'Asia, la Cina, il Giappone, tutte queste. Et ils n'ont pas la tradition des choses qui vieillissent, des choses qui sont des matières qui vieillissent, qui changent avec le temps. Quand ils achètent un produit de ce genre, ils aiment que ce soit toujours le même. Donc le daim est plus encore que le box fragile. Et donc, mais j'adore le daim. J'ai fait il y a des années, je faisais des collections pour une marque italienne importante et j'avais fait faire des sacs en antilope. Alors c'est affreux de dire ça aujourd'hui, mais c'est très beau, c'est justement cette espèce de matité. Je ne sais pas comment on dit ça en italien, mat, un effet mat. Qualcosa di opaco, no, lo comprendo. Opaco. Tu vuoi una cosa che assorbe la luce, che non
comme qui assort la luce. Un peu d'obscur, un peu de choses obscures dans ce monde qui veut être toujours démontrer quelque chose, c'est bien un peu de mystère. Le da est une matière mystérieuse au fond. Voilà, c'est ça que j'aime peut-être. Parfait. J'aime le mystère. Posso riassumerlo in questo modo: un materiale che invecchia, un materiale che ha del mistero all'interno, un materiale opaco per cui penetra il colore. E nello stesso tempo un materiale etico. Esatto, come la sostenibilità è una cosa obbligatoria oggi, c'est obligatoire, c'est pour rendre évidemment la planète propre, et c'est aussi parce que je crois que l'industrie de la mode et l'industrie, la seconde industrie la plus polluante. Donc il y a une obligation pour nous à rendre tout ce que nous utilisons, qui puisse être justement rendre le système propre. Je crois que, personnellement, je pense que c'est un sujet si important que c'est l'industrie entière qui devrait créer un fonds commun de recherche avec des chimistes, des ingénieurs et même des designers pour répondre à cette problématique si, si fondamentale aujourd'hui. Allora ti faccio questa domanda. Quanto è importante per un créateur de mode française il rapporto con la materia oggi per il consumer contemporain? Je ne peux pas parler pour les créateurs français en général. Et puis, de toute façon, Paris est une place depuis la création de la mode, de la couture, c'est-à-dire depuis presque 200 ans. C'est un espace où les créateurs sont internationaux. Il y a eu des Anglais, des Espagnols, des Italiens, évidemment. La liste serait longue de parler des créateurs du passé et d'aujourd'hui qui sont tous étrangers, d'origine en tous les cas, mais je crois que la mode parisienne, c'est toujours à cause de l'histoire de Paris comme place historique, il y a une grande stimulation et une exigence. Pour les matières, je ne peux parler que pour mon cas personnel. Je crois être un des designers qui a privilégié, non pas qui a privilégié, mais qui a fait de la matière un élément essentiel. Enfin, tout simplement parce qu'on ne peut pas fabriquer un vêtement sans se demander d'abord quelle matière on va utiliser. Parce qu'on peut faire une même veste dans deux matériaux différents et ce seront deux vestes différentes parce que les matières sont différentes. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, je voudrais dire ceci sur la problématique de la mode et de la sustainabilité, c'est que je crois que surtout il faudrait qu'on se pose la question du rapport aux vêtements, de retrouver un rapport aux vêtements loin de la fast fashion, puisque la fast fashion, le système de la fast fashion a atteint même dans son système la mode dite de luxe. Et je crois que c'est une réflexion très importante et je pourrais parler donner un exemple assez provocant, c'est le gouvernement américain avait fait une étude sur l'industrie militaire qu'il n'a pas pu appliquer puisqu'ils ont découvert que c'était impossible de changer la finalité de cette industrie. Et je me demande si la mode n'est pas dans cette situation, de cette impossibilité de changer de cap, de finalité, c'est-à-dire de faire en sorte que le vêtement redevienne l'essentiel contre
le reste, que ce soit un rapport plus personnel, loin de l'idée de cette accumulation qui est devenue la mode. Merci beaucoup, Marc. Et io ti ringrazio ancora, Orietta. Grazie a te. Grazie a te veramente tanto, perché ci hai dato delle indicazioni su quali sono le tue ricerche e il tuo punto di vista di una moda più etica. Esatto. Come io ripeto, questo grande filosofo che si chiama Paul Audi, est éthique, est éthique, estetica, come l'etica dell'estetica. Estetica, bellissimo, mi piace molto. A presto.